il était une fois en Afrique. Il y avait un petit village situé dans la partie est du Nigeria, où le python était traité avec un grand respect et une très grande dignité. Les villageois glorifiaient les pitons, jusqu'au point de dire que c'était un tabou de frapper ou de tuer le serpent, qui répondait au nom de Eke Idemili. Détendez-vous, soyez calme et savourez l'histoire. Oyije, oyije mma. Oyije, oyije mma. Eke ide mmiri onye
ije mma. Onye ije mma. Aki ide mmiri onye ije mma. Onye ije mma. Aki ide mmiri onye ije mma. Onye ije mma. Aki ide mmiri onye ije mma. Onye ije mma. Oh mon Dieu, quel soleil, hein? Je suis très fatiguée. Ah. Maman. Nam. Bonjour, maman. Bonjour, tu es réveillée? Oui, maman. Tu es un dormeur. C'est comme ça que tu es, toi. Oh, c'est légumes. Bon, laisse-moi t'aider, maman. Ne fais pas ça. Les hommes ne les font pas. Hein? N'ose pas le faire. Tu sais que ce n'est pas bien pour le garçon. Oui. Tu dois le comprendre, oh Nam. T'inquiète, oui, mon fils. Je suis là pour tout faire pour toi, oh mon fils. Oui, je sais, maman. D'accord. J'espère que tu as bien dormi. Oui, maman, j'ai bien dormi, oh. Hey. C'est une bonne chose. Maman. Hein? Mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Hein? Mon fils. Maman. Ifama. Ifama. Maman. Dépêche-toi, ma fille. Va prendre le médicament là-bas. Dépêche-toi. Il faut ma fille vite. Fais vite, mon fils. Attends. Mon fils, il faut pas, dépêche-toi. Cours vite, ma fille. Donne. Nambo. Doucement. Ça va aller. Désolé, mon fils. C'est bon. Bon. Doucement. Allez, lentement. Approche-toi ici. Approche. Ça va, hein? Ça va aller, mon fils. Maman, ça va aller. Il ne reste que ça comme médicament. Comment allons-nous faire pour le prochain traitement? Ifoma, tu connais tout. Hein? Tu connais que je n'ai pas d'argent. Mais je ferai de mon mieux pour faire quelque chose. Tu connais très bien ma fille. Tu sais très bien que on n'a même pas de nourriture. Qu'est-ce que je veux faire, ma fille? Dis-moi, l'instant est difficile, tu le sais très bien. Hein? Doucement, mon fils, doucement. Obina, viens te reposer à la maison. Vas-y. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi me reposer ici dehors, je vais bien frais. T'es vraiment fils, reste ici, hein. Né, hein. Va à l'intérieur, emmène-moi le drap. Comme ça, il peut se reposer ici dehors. Oui, maman. Ok. D'accord. Emmène-le-moi. Dépêche-toi. Nam, calme-toi, hein, mon fils. Ça va aller. Ezani, je suis vraiment content. Vraiment très content, je te dis. Hé, Ezani, il faut que les choses marchent comme ça. Ndumweze, je suis vraiment très content. Et moi également. Ndumweze, je remercie les dieux pour la réussite du festival Indemiri. Nous allons toujours vivre pour relater les bienfaits de nos dieux à nos arrière-petits-enfants. Ici.
Ezane. Hey, c'est comment avec ta femme? Et comment elle va maintenant? Ezane. Après le festival, elle a été guérie. Hein? Oui, Ezane. Tout ce que tu avais dit, c'était la vérité. Sa maladie avait pour cause. Hein? Elle a renié l'existence de Eke Idemiri. Oui. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Elle, tu sais, elle a des sacrifices qu'elle doit obligatoirement faire. Et elle les a fait. Elle a même pris ses biens et les a amenés à Idemiri, demandant le pardon. Hein? Pour demander le pardon, quand je suis rentré à la maison, ma femme était en bonne santé. Elle était dans la cuisine, en train de préparer ma nourriture. Quelque chose à manger. Que les dieux soient loués. Il sait. Que les dieux soient loués. Il sait. Hey. Prochainement, elle ne va pas douter de la puissance des dieux, ni de leur existence. Elle ne va plus jamais oser. Elle a maintenant appris une bonne leçon. Exactement. Ne la dérange pas. Oui. Alors, où est ta femme? Elle a voyagé pour Akabe et Zéo. Parce que sa petite sœur vient d'accoucher. Et tu sais très bien que ma belle-mère est morte. Donc, elle est partie pour aider sa sœur. C'est vraiment ça? Oui, c'est ça. Mais oui. Ça, c'est le grand Oundou. Mais oui, c'est ça. Cette histoire est merveilleuse. Oui. Je n'arrivais même pas à prendre un verre d'eau. De l'eau ne traversait même pas ma gorge. Ah oui? Crois-moi. Oui, moi aussi. C'était resté là. Mais je l'ai forcé. Puis c'est descendu là-bas. Toi, tu as raison. Ah. Oui. À quoi que? Je sais que tu le sais. À quoi que? Je sais que tu le sais. Tu ne le dis pas juste à comme ça. À quoi? Oui, papa. Papa, tu m'as appelé. Amène-moi un peu de vin de palme, nous allons boire. Non, mon. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un verre. Toi. Ah oui, toi aussi. Ah. C'est terrible. Laisse-nous prendre un peu. Nous avons connu des problèmes sérieux. Comme ça et comme ça. Comme ça, mon frère. Bonjour, jeune femme. Bonjour, Obina, fils de Wanke. Comment connais-tu mon nom et le nom de mon père? N'est-ce pas que tu es de ces villages? Oui, bien, bien sûr. Alors pourquoi tu me demandes comment je connais ton nom? C'est juste, je veux dire, bien, ça va. Alors, tu fais quoi ici, toute seule, à cette heure de la journée? J'attends ma sœur. Elle était partie, je ne sais où. Ok. Je suis venu pour jeter mon filet, pour voir si ma chance peut me sourire aujourd'hui, alors je vais attraper du poisson. Tu appelles Yochi en aide? Mais combien de fois l'as-tu déçu? D'ailleurs, est-ce que tu le connais? Je n'arrive pas à comprendre.
t'inquiète pas, fils de Wanke. Mais laisse-moi te dire une chose. Qu'aujourd'hui, tu ne vas rien attraper. Yochi n'est pas content de toi. Je ne comprends toujours pas. Les résultats t'en dira. Ah, le riz ici a beaucoup de cailloux, hein? Ah, je vais faire de mon mieux que ça soit bien. Ah, vraiment. Oh. Hey! Namo, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, maman. Bonjour, pourquoi est-ce que tu viens une de sans rien? C'est quoi? Mon fils, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je ne peux rien attraper aujourd'hui. Rien du tout. Maman, voici la chose la plus étrange qui m'est arrivée aujourd'hui. J'ai vu une jeune fille qui avait l'air vraiment étrange, qui m'a même dit que ma chance était fâchée contre moi et que je n'attraperai rien aujourd'hui. Et elle m'a laissé là, et puis elle est rentrée au village. Maman, est-ce que tu sais que je pris mon filet du début de la rivière jusqu'à l'autre côté, du matin jusqu'à présent, je ne peux rien attraper, maman. Même pas un petit poisson. Maman, ce n'est pas amusant. Obina, mon fils. Donc je pleure parce que tu n'as pas pu attraper même un seul poisson. Même pas un petit frétin. Hey. Mais, mon fils, ça a l'air étrange. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Cette fille, ce que tu avais dit, c'était que aujourd'hui n'était pas un bon jour pour toi. Parce que c'est ce que je n'ai pas compris dans tout ce qu'elle t'a dit. Alors, dis-moi, c'est pour ça que tu es fâché? Il faut que je me fâche. Hein? Mon fils, ça suffit. Oh, tu dois être courageux. Demain sera meilleur. Hmm? Tu m'as compris? S'il te plaît, prends courage. Tu es un homme fort, mon fils. Sois courageux. Va à la maison, mon fils. Garde tes effets et demain tu pourras encore travailler. Je suis ici en train de vouloir préparer pour toi, bébé. Oui, mais maman, moi... J'aime pas prendre la bacha sans les poissons. Mmh. Tout ça parce que je n'ai attrapé aucun poisson. Ok, tu n'as pas mangé à bacha sans poisson. Mon ami va prendre à bacha. Tu connais là où j'aimais souvent pour toi la nourriture, hein? Regarde bien au-dessus, tu vas voir une casserole, mon fils, s'il te plaît. Va prendre à bacha, tu vas manger. Vas-y, vite, tu dois manger quelque chose, mon fils. T'as compris? Ok, maman. Pour les poissons, mon fils, t'inquiète, demain sera un autre jour. Tu vas trouver, hein? Oh, va manger, mon fils. Vas-y, mon fils. Ne désespère pas, hein? Je suis ici en train de d'arranger ce riz. Oui, vas-y. Maman. Va dans la cuisine. Oh? Oh, je suis ici, mon fils. Oh. Ah.
Que les fils et les filles de la reine mère viennent guider et protéger tous les esprits de ce royaume. Que le Créateur guide et protège tous les esprits et tous les humains. Ah, des enfants! Ah! Et pour moi, bébé! 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 Ah! Oh oh! Et pour moi, bébé! Mais qu'est-ce qui t'a retenu tout ce temps? J'étais occupée de prendre soin de la terre et bénir les peuples de Edoji. Mais tu en as mis beaucoup de temps. Ok, ils offrent des prières et des sacrifices durant leur festival. Alors je dois visiter et bénir chaque famille. Maintenant j'ai tout fini. Pouvons-nous retourner auprès de notre mère Idemiru, car elle nous attend. Non, je ne crois pas que je vais rentrer avec toi. Je vais rester un peu. Dis à maman que je vais rentrer très bientôt. Je pense que tout va bien, ma sœur. Oui, je vais rentrer bientôt. Mais je n'ai pas quelqu'un pour m'accompagner à la maison. T'inquiète pas, je te promets que la prochaine fois que je vais te ramener à la maison. D'accord, comme tu le dis. Hey, Ngoyo, je ne sais plus quoi faire. Hein? Je ne sais que faire. Cette maladie n'a pas de traitement. J'ai vendu toutes nos terres. Hein? Juste pour trouver l'argent et aller à Onitsha pour sauver mon fils. Hey. Il ne reste qu'une terre. Et si celle-là aussi part, je serai finie. Je te dis, je ne sais que faire, franchement. Mais c'est quoi la cause de sa maladie? Je n'ai pas besoin de connaître la cause de cette maladie. Tout ce que je veux, c'est de guérir mon fils. C'est ce que je cherche, c'est fini. Ego, ah, s'il te plaît, donne-moi l'argent. Juste un peu d'argent, ma chère, je t'en prie. Le mieux pour toi serait de trouver pour ton fils une femme, hein? Tu sais qu'il est ton unique fils. Hey, Ego, ça, je le ferai. Mais écoute, ce n'est pas d'abord ça le problème. S'il te plaît, donne-moi juste un peu d'argent, je t'en prie, pour ajouter sur ce que hey, j'ai. Tu sais, je n'ai pas d'argent. Tu sais la dernière fois que je t'ai prêté de l'argent. Et tu n'étais pas en mesure de me le rembourser. Depuis lors, je n'ai plus demandé ça. Puisque ton mari était mort éventuellement. Je n'ai rien sur moi, sinon je t'aurais donné. Je sais, t'inquiète. Je sais que tu me comprends très bien. Je sais très bien que tu m'aides, ma sœur. S'il te plaît, merci pour tout ce que tu fais. Merci de tout cœur. Mais s'il te plaît, donne-moi juste un peu cette fois-ci. Né, tu sais que tu es ma meilleure amie. Oui. Je t'ai toujours aidée dans la mesure du possible. Oui. Si j'en avais, j'allais te donner. Tu sais, la dernière fois quand tu es venue me demander, je n'avais pas hésité. Tu avais eu l'argent, je n'ai plus demandé ça. Hein, tu es mon amie, je ne saurais te le refuser. Je n'ai rien sur moi. Attends un peu, est-ce que tu t'es allée visiter Ezane, les grands Dibia? Essaie d'aller d'abord chez lui. Non, 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 non. Mon mari m'avait interpellé avant sa mort. Il m'avait dit à propos de cet homme de ne jamais le visiter. Écoute ce que tu racontes. Ton mari n'est plus, ton mari n'est pas ici. Hein? Où tu veux que ton unique fils meure?
Ah non, arrête de dire ça, s'il te plaît, ma chérie. Mets ça de côté. Je ne peux pas désobéir à mon mari juste parce qu'il est mort. Non. Donc tu veux que ton fils meure? Mon fils, sans effet. Oh, s'il te plaît, ma chérie, oh, donne-moi. Je n'ai rien, crois-moi, puisque je te l'ai dit. Oh, ma chérie, s'il te plaît, c'est moi ta copine. Tu me connais, s'il te plaît, donne-moi. Aide-moi. À chaque fois que tu viens ici, quand tu me demandes de l'argent, si j'en ai, je te donne facilement. Si j'insiste, moi, je dirais pourquoi tu me fais ça. Je n'ai où aller, je n'ai pas d'autre que toi, s'il te plaît. Ne fais pas ça, je suis ma meilleure amie. Mon ami, je ne l'ai pas. Tu me fais mal quand tu fais ça. Hey. Comme j'ai encore envie de voir cette jeune fille. Est-elle très belle? Aïe. Emeka. Qu'est-ce qu'il y a? Emeka. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi toi tu as toujours des mauvaises pensées, hein? À toi aussi c'est quoi comme ça? Laisse-le tranquille. Cette fille est la définition de la beauté. Elle était très belle, je vous dis. J'aurais encore posé mes yeux sur elle encore comme ça. Aïe. Obina. Tu veux dire que tu n'as attrapé aucun poisson jusque-là? Mon frère, même pas un crabe. Et que dire du poisson? Mon filet n'a plus rien attrapé ce jour-là. Tout ça est très étrange. Puissent les dieux prendre soin de nos eaux. Et prions pour notre chief, afin qu'il nous aide à avoir des bonnes choses dans le futur. Il sait. De toute façon, je vais aller vérifier mes pièges là-bas dans la brousse. Et je veux que tous deux vous m'accompagniez à la brousse, s'il vous plaît. J'aurais bien voulu t'accompagner. Hey, mais je crois qu'il faut que tous les jours, tu présentes toujours des excuses. Bon, tu peux y aller, Obina. Je vais aller avec lui. Bien, allons-y. S'il vous plaît. D'accord, pas de problème. D'accord, merci. Au revoir. Prends soin de toi. D'accord, ok. Au revoir. Au revoir. Obina, fils de Wanyanchi. Hein? Tu m'as fait peur. Tu tenais à me revoir. Mais voici. Comment tu sais que moi je voulais bien te voir? Le mur ont des oreilles. Peu importe, dis-moi, comment tu vas? Oui, je vais bien. Je vais très bien. Je voulais même te demander. D'où viens-tu? Et puis, où vas-tu comme ça? J'étais venue te chercher. Hein? Me chercher? Uh-huh. Vraiment? Hein? Allez, laisse-moi te raccompagner à la maison. Attends. Pourquoi tu as l'air étrange? Hein? Tu as vraiment l'air étrange. C'est parce que pour toi, je ne suis qu'une étrangère. Peut-être qu'une fois qu'on va se familiariser, je n'aurai plus l'air étrange. D'accord. Allons-y. Laisse-moi t'aider avec okay. ça. Merci beaucoup. Je m'arrête ici. Ah. Hey. Ok. Hey. D'accord, ça va. Pourquoi ton histoire sonne vraiment étrange?
Et puis tu parles en parabole. Pourquoi? T'inquiète pas. Très bientôt, tu vas tout comprendre. Alors, on se voit encore quand? Au moment où tu auras besoin de moi, je serai là. Comment tu t'appelles? Hein? Où est-elle? Mais elle est partie où? Vraiment étrange. Ma fille, ne m'abandonne pas. Oh, je te connais maman, très bien. Arrête. Ok. Maman, ne joue pas, arrête. Non, tu dois. Non, je ne joue pas, je ne joue pas. Es-tu sûre? Je suis là. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Mon fils, bienvenue. Merci, maman. De rien, oh. Il faut je veux bien, merci. Bon retour. Sois le bienvenu. Merci, maman. Je suis contente pour toi, mon fils, oh. J'espère que tu as pu pécher aujourd'hui. Dieu merci, quand même ça vaut aujourd'hui. Merci au Dieu. Comment tu vas, Ifoma? Je vais bien, merci, bienvenue. Merci. Ça me dépasse. Maman. Je le vis encore. Qui? Cette jeune fille dont je vous ai parlé, non? Je l'ai vue quand je revenais de la rivière, quand j'ai quitté mes amis. Une fille. Lui as-tu demandé son nom? J'ai oublié de demander son nom. Mais quand je me suis retourné pour demander son nom, je ne l'ai plus vue. Elle n'était plus là. C'est comme si elle a disparu ou je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Et puis, tout ce qu'elle m'a dit avait vraiment l'air étrange, très étrange. Elle disait constamment des choses étranges que moi, je n'arrivais pas à comprendre. Tu sais quoi? Mon fils, la prochaine fois, si tu la vois, emmène-la ici. Ta sœur et moi la verrons. Entendu? Ok, maman. Emmène-la à la maison. Fais un effort, emmène-la. J'aimerais bien la voir. Oh, ok, maman, je vais l'amener, je vais essayer. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Parle, tu veux manger? Maman, je fais un... Il faut va prendre la nourriture. Tu ne sais que manger. Tu manges à tout moment. Mon fils bien-aimé, ta soeur va te servir à temps, hein? Il faut, ma regarde très bien les légumes, là. Essaye de chauffer ça, s'il te plaît. Dépêche-toi, ma fille. Mon fils. Prends des oignons. Ajoute des oignons. J'aime les oignons. J'aime les oignons. Tu me fais beaucoup rire, toi. Dépêche-toi, Ifoma. Viens servir ton frère. Excusez-moi, c'est bien la terre de Doji ici? Oui, oui, c'est la terre de Doji. Oh, parfait. C'est d'ailleurs vers ici que je me dirige. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de courir. Madame, attendez.
Madame, vous savez, l'asthme est une très, très mauvaise maladie. Une très mauvaise maladie. Mais je vous assure que très bientôt, vous aurez beaucoup d'argent pour acheter plus de médicaments et même pour scolariser votre enfant. Où est-ce que j'aurai beaucoup d'argent? Ok, je vais vous le dire à vous. Vous voyez, c'est ce pourquoi je suis venu ici, dans ce village. Je viens à peine de découvrir que ce village a un serpent secret, un python secret qui se déambule tranquillement dans ce village. Ekei Demili. Alors, je veux que vous capturiez ce serpent pour moi et que vous me l'apportiez. Si seulement vous le faites, je vous donnerai beaucoup d'argent. Hey! Comment ça? Madame. Attends d'abord. Madame, ne criez pas, ne criez pas. Pourquoi vous criez? Ne criez pas, ne criez pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Madame, ne criez pas. Oh. Écoutez-moi. Je l'avais vite tombé et j'avais vite couru pour aller appeler sa mère. Il souffre de quelle maladie? Ma sœur, j'ai appris qu'on appelle ça asthme. Yeah. Où sont les dieux? En tout cas, je ne sais pas, ma sœur. Peut-être que Dieu l'a puni pour ce qu'il avait fait. Oui. Bien. J'ai appris que le père d'Oblin n'était pas en bon terme avec Ezani avant sa mort. Neka, comment le sais-tu? Neka, la conteuse. Vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce qui a causé la mort d'Engweke, le père d'Obina? Ok, bien, je ne maîtrise pas vraiment l'histoire. Tout ce que je sais est que, puisque son père n'était pas en bon terme avec Ezani avant sa mort, je pense que le dieu des Omuri font payer à Obina les conséquences du péché de son père. Hey! Neka, ta bouche là va te tuer un jour. Tu penses sans réfléchir. Hé, hey, ma sœur, pardon. Pardon, je ne vais pas rester ici et écouter vos idioties aussi. Non. Bienvenue. Merci. Laisse-moi aller trouver quelqu'un. Ah, non. Je n'ai pas assez de temps. Nai, s'il te plaît. Je suis ici pour demander ton aide. J'ai besoin d'argent pour acheter les médicaments pour mon fils. Obina. Écoute-moi bien. Tu sais, je t'ai dit à plusieurs reprises. Je t'aime bien. Hein? Je t'aime bien. Hein? Arrête ces bêtises. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Accepte-moi, ok? Quel que soit ce que tu voudras, n'importe quoi, je te le donnerai. Hein? Ne me touche pas. Enlève tes mains. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? As-tu un problème, toi? Nanye. Même mon défunt mari, Presibotoy, ça ne fait même pas encore une année depuis qu'il est mort. Et je me demande de sortir avec toi. N'as-tu pas honte de toi-même? Vas-y, parle-moi. Hein? Hey! T'es fier à quoi? Que le Dieu te pardonne pour ce que je viens de dire. Laisse-moi te dire. Ça sera mieux pour moi de me vendre en esclavagisme et guérir mon fils que de donner mon corps à un vaurien d'homme comme toi. C'est à moi que tu dis ça. Hein? C'est vraiment à moi que tu parles de cette façon. Hein? Maman Obina, as-tu oublié qui est-ce que je suis dans cette ville? Où tu veux que je te le rappelle? Hein? Le lion de Edoji. Hein? Lion! Espèce de ces lions! Que ce lion-là te tue! Que ce lion-là puisse te manger! Allez, va-t'en d'ici. Espèce d'un homme éhonté! J'ai dit va-t'en d'ici! Imbécile! Insensé! N'importe quoi! Je t'ai insulté! Je reviens encore pour toi! Espèce d'idiot que tu es! Papa, qu'est-ce que c'est? J'étais à la cuisine, j'ai entendu de bruit. C'est quoi?
Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Non. Ok, t'occupe pas d'elle. Et t'occupe pas d'elle, faut la laisser, hein, je sais pas. Bon, amène-moi un truc, je vais boire un peu là. Vas-y, fais vite. Ok, d'accord. Oui, vas-y, fais vite. Prendre un gobelet d'eau. Je vais bien, ma fille. De... Ça va, vas-y. Tu continues de pleurer, bien. Maman. Maman, baisse-toi, s'il te plaît. Maman. Maman, arrête de pleurer, non, maman. Suis tes larmes. Ma fille. Maman, oui, le monde est méchant. Et confie-nous seulement à Dieu. Va. Les yeux ne nous laisseront ça pas. Va aller, t'inquiète. Vas-y, va me prendre de l'eau. Non, c'est pas vrai. Ça va. Tu es mort, ça tu continues aller. De pleurer. Maman. Ça va aller, ma fille. Oh mon Dieu. Ezane. Duboisin. Oui. Fils de ce royaume. Le gardien et le défenseur de notre religion, ancienne et sacrée. Oh, ça vraiment. Ce n'est pas du tout un bon signe. Qu'est-ce que tu veux dire? Doudoubézé. Annie. La déesse de la fertilité. Sa colère est sur toi. Hey. Ezane. Qu'est-ce que le fils d'Umbagwe a fait pour attirer la colère de la reine déesse Oné? La fille de Dieu Annie demandait ton aide. Et toi, Ndouboise,
Tu as demandé de voir sa nudité avant que tu puisses l'aider. Hein? Comment vous le savez, les sages? Les dieux sont très sages. Apporter une offrande pour l'offrir à un dieu apporte une bénédiction et faveur. C'est son souhait, mais le choix est le tien. Mais toi, jamais tu n'as demandé quelque chose en retour. Et jamais toi, tu étais affecté. Tu es méchant. Et tu seras puni. Je crois que tu me comprends. Je crois que tu me comprends. Bon, au revoir. Ne viens pas me chercher. Hein? Ne viens pas me chercher quand tu seras puni. Hein? La mère d'Obina. C'est elle qui m'a accusé auprès des années. Tu vas me sentir. Ifoma. Maman. Je me déplace un tout petit peu, hein. Alors, prends bien soin de la maison, hein, ma fille. Où est cette sorcière? Où est cette sorcière? Ah, tu es là. Toi là. Regarde-toi. Onyen Souzou, qu'est-ce qui t'a emmené ici? Et c'est moi que tu traites des sorcières. Oui, c'est bien toi qui m'as accusé auprès des années. Écoute et écoute-moi très bien. Hein? Aussi longtemps que je serai dans ce village, tu n'auras jamais la paix. Oui, je vais me rassurer que tu sois inutile dans ce village. Exactement comme je parle, tu le verras comme ça. Écoute-moi bien, Ndoumeze. Tu te trompes. Je te rappelle, tu te trompes, mon cher. Tu ne vas rien faire. Un homme méchant. Tu m'appelles homme du mal. Tu es un homme méchant. Oh, oh, tu es espèce de sorcier. Oh, c'est déjà oublié que je sais que c'est toi qui as tué ton propre mari. Oui. Oubumweke. Tu as tué Oubumweke, ton propre mari. Très bientôt, on verra ce qui va t'arriver. N'ose plus jamais dans ta vie misérable de pointer du doigt encore. Hey, non, fille, arrête de parler, s'il te plaît. Tu parles, viens terre. Regarde-toi. Regardez cette femme misérable. Regarde-toi. Tu es déjà misérable. Et vous dites Zombie. Ma vie entière misérable. Vous êtes misérable, déjà misérable. Hein? Tu penses que tu vas te marier? Vraiment? Qui t'a dit ça? Tu vas être aussi inutile que ta propre mère. Regarde-moi celui-ci. Que cela te revienne. Franchement, retour à l'expéditeur. Espèce de sorcier. C'est ce que tu es, mon cher. Verra. Hmm? On verra ce qui va arriver. Tu es vraiment un sorcier, oui, je te dis. Ce qui va arriver. Sorcier. Oui, comme je dis, ça va imbécile ça. Sorcier. Oui, je le dis. Méchant oui, homme. Voir, méchant. Oui, tu es méchant, toi. Imbécile. Va-t'en, sors de chez moi. Quoi, sors. Et ne reviens plus jamais. Regarde-toi. Regarde comment tu es. N'importe quoi, sorcier. Tu es terrible. Méchant, espèce de démon. Maman. Hein? Pourquoi il te parle comme ça? C'est un fou. Tu le connais bien. Tu connais très bien sa méchanceté. C'est ce qu'il est venu faire ici, ma fille. S'il te plaît, ma fille, ne le suis pas. Je vais au marché, hein? Que cet imbécile ne détruise pas mon humeur. Pour le moment, je reviens. Insensé. Idiot. Je dois partir maintenant. Mais pourquoi? C'est quoi? Y a-t-il un problème? Non. Je te verrai un autre moment. Ah. Cette fille, mais pourquoi elle est aussi étrange? Oh, j'ai même oublié de lui demander son nom. Oh non. Fille étrange. Mais où es-tu? Comme d'habitude,
Je te vis avec lui. Que fais-tu? Mon ami, ça, c'est pas notre mission. Nous sommes des gardiennes et des protecteurs. Nous ne sommes pas ici pour tomber amoureuse des humains. Nous sommes les filles de Idemiri. Nous sommes Ike Idemiri. Je le sais, mais je ne comprends pas. C'est bizarre, je commence à avoir des sentiments pour lui. Ma très chère sœur, l'être humain, sont nuisibles et je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Et notre mère ne sera pas contente si elle apprend cela. S'il te plaît, promets-moi que tu ne le diras pas à maman. Et promets-moi que tu ne seras pas amoureuse de lui. Et plutôt, ton devoir est de veiller sur les habitants de ce village. Nous sommes les fils sacrés de Idemiri. Il nous loue et nous honore. Ok, je promets de ne pas tomber amoureuse de lui. D'accord, je ne dirai pas à maman. Alors dis-moi, que penses-tu faire? Et c'est quoi ta prochaine mission? Chamaka, la fille d'Okeke, a donné naissance à un obangé. Alors maman m'a envoyé d'aller l'accueillir. Ok, je vais partir maintenant. On se voit à ton retour. Papa, bon après-midi. Bienvenue, bon papa. Après-midi, papa. Où est Kené? Il est à la maison. Kené, papa. Bonjour, papa. Voilà. Vous tous, écoutez-moi, écoutez-moi bien. Je dis, je ne veux voir aucun d'entre vous près de la maison de la maman d'Obina. Et n'ayez rien à voir avec cette famille-là. D'accord, okay, papa. Ok, papa. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui es-tu pour me demander ça? Hein? Qui es-tu pour me poser toutes ces questions? Mais papa, qu'est-ce qu'elle était venue faire ici l'autre jour là avant que ces problèmes n'arrivent? Demande à papa. Tu vas te taire maintenant. Ne parle plus. Tu n'es pas là pour me poser des questions. Ah. Hein? Ma fille, elle est venue ici demander l'argent. Et comme j'ai refusé de lui donner cet argent, elle est allée dire à Ezane toutes sortes de mensonges contre votre papa. Hein? Vous voyez combien cette femme est vraiment mauvaise. Hein? Alors, à partir de maintenant, je ne vais voir aucun d'entre vous près de la maison de cette femme. Elle est mauvaise. Oui, papa, je suis d'avis avec vous. Parce que la maladie de Obina, ce n'est pas normal. Ça doit être une punition venant de Dieu. Tu as raison. Hein? C'est la raison pour laquelle vous tous là, vous devez les éviter. D'accord? Vous devez tous éviter cette famille. Ils sont maudits. D'accord? Ok, papa. Vous pouvez partir. Viens avec moi. Allons-y derrière. La mère d'Obina. Quand j'aurai bien fini de m'occuper de toi, tu vas savoir à qui tu as eu affaire. Oui, je vais m'occuper de toi. Ah. Hey! C'est monde. C'est misérable. Mais il s'est passé quoi, maman? Tu es vraiment allé là-bas lui demander l'argent ou quoi, maman? Parce que c'est la seule raison si tu peux venir ici te dire toutes les bêtises qu'il a dites là. Hein, maman? Hein? Mon fils, regarde. Hey. Nous n'avons pas une autre option. Je n'avais pas une autre option. Tes médicaments étaient déjà à la fin.
Et il ne restait qu'une seule dose pour que ça finisse. Que voulais-tu que je fasse? Voilà pourquoi je cherche un peu d'argent pour donner à ta sœur et d'aller chercher pour toi le médicament. C'est ça, mon fils. Et c'est la seule raison que j'étais partie, c'est je me suis stupide. Pour qu'il m'insulte ainsi. Juste ça. C'est la raison, mon fils. Ah, c'est très grave. C'est juste pour ça, je te dis. J'ai souffert. J'ai eu à souffrir, maman. Nous avons souffert. Hey! Oh, ça va aller, maman. Écoute, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter. Maman. Mon fils. Dès maintenant, je vais faire de mon mieux pour commencer à attraper les poissons. Pour que je vende les vendre. Et enfin te donner de l'argent, maman. Je sais, mon fils. Tu m'as entendu? Je sais de quoi est-ce que tu es capable, hein? Moi, je n'aime pas ça, maman. Non, je n'aime pas. D'accord. Mon fils, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Ça va aller. C'est encore passé aujourd'hui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle de cette fille. Je l'ai encore vue aujourd'hui. Tu dis quoi? J'ai vu cette fille, maman. Hein? Maman. Cette fille étrange? Mais... lui avais-tu demandé son nom? Non. Lui avais-tu demandé d'où est-ce qu'elle provient? Maman, j'ai oublié. Quelle bêtise! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi avec toi, Obina? J'ai encore oublié, maman. Pourquoi? Maman, maman, je vais lui demander. Je vais lui demander qu'elle viendra. Je vais lui demander. Tu vas lui demander? Chaque fois, toujours des promesses. Mais pourquoi? Maman, ce n'est même pas ça le vrai problème ici. Est-ce que tu te rappelles ce qu'elle m'a dit l'autre fois? Qu'est-ce que c'est? Elle m'avait dit que Monty n'est pas content avec moi, maman. Il faut que je le nourrisse et l'accueillir encore dans ma vie. Et c'est comme ça que je verrai encore de bonnes choses arriver dans ma vie, maman. Regarde ça un peu. Je comprends pas ça, maman. Mais attends, Ezaï avait dit à ton père la même chose avant qu'ils aient des problèmes sur cette terre-là. Et à cause de ce même problème, ton père était mort. Oui, mon défunt mari m'avait interdit de ne plus m'approcher de cet homme. Donc, maman, tu veux dire que si je ne vois pas ces Ezani, je ne peux pas nourrir mon chien? Non, 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 non. Non, c'est faux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai, ça. Qu'un homme puisse nourrir chi. Non. Écoute, laisse-moi te dire comment ça se passe. Ok, maman. Tu vas aller chez Dibia. Dibia ou Kweno, il habite dans son village. Quand tu arriveras, il va donc nous dire qui est ton chi. T'inquiète, mon fils, ça va aller. Et il va nous dire comment est-ce que les choses se passent. Mais écoute, Obina, ce n'est pas ça mon problème maintenant. Cette histoire de chi n'est pas mon problème. Mon problème, c'est comment avoir l'argent pour t'acheter les médicaments qui t'arrivent à la fin. C'est la seule chose dont je veux. S'il te plaît, tu dois juste m'aider, mon fils. S'il te plaît, c'est ça l'urgence. Je n'ai pas besoin de penser à autre chose pour le moment, je t'en prie. Okay. Pico, 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 oublie à propos maintenant. Oui, ne t'inquiète pas, ça va aller, maman. Tu sais que tu es mon unique fils et je ne veux pas te perdre, je t'en prie. Rien ne va s'il te plaît. S'il te plaît. Rien ne va m'arriver, je vais bien. Mon fils, maman t'aime énormément. Ma grande sœur Chiamaka avait accouché les jours du marché. Es-tu sérieuse? Oui. Que le nom de Dieu soit loué. Devine ce qui s'est passé ces jours-là dans la soirée. Qu'est-ce qui était arrivé, madame? Idé Miri, le piton secret, était venu rendre visite au bébé. Waouh! Dis-nous ce qui s'est passé. Premièrement, c'était ma première fois de voir ces pitons. J'étais allée voir le bébé dans la chambre et à ma grande surprise, j'ai trouvé le piton tout autour du bébé. Ça m'avait fait très peur et j'avais vite couru pour aller appeler ma sœur. Le mari de ma sœur m'avait demandé de ne pas avoir peur, que cela signifie que cet enfant est une bénédiction pour nous. Il sera un très grand obandier. Alors, une fois que nous étions entrés dans la chambre, nous avons vu le serpent qui était en train de sortir. Le mari de ma sœur s'est mis à chanter des chansons, des louanges pour le piton. Et le piton secret avait disparu. Et cela signifie que l'enfant sera grand. Oui. Oui, mon père m'a dit que la même chose s'est produite avec Ezani.
lors de sa naissance. Donc, quand un enfant est né et qu'il est visité par le python secret, cela veut dire que quand il va grandir, son avenir sera brillant. Bien sûr. Oui, c'est ça. Cet enfant sera très brillant. Vous savez quoi? Une fois que nous serons à la rivière, je vais vous raconter ce que j'avais vu hier dans la forêt. Kitty, dis-lui seulement, non? Non, hein? Pas question. Je ne suis pas intéressée. Il y a quoi? Hein? Veux-tu me causer de problèmes? Laisse-nous tranquille, qu'est-ce qui se passe? Bon après-midi, maman. Mon fils est là. Bon, tu ne comprends pas? Bien. Tu n'entends pas? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Qu'est-ce qu'il y a? Agumaka, va-t'en! Hein? Maman. Mon fils. Attends-moi, j'arrive. J'arrive, mon fils, attends-moi. Hein? Doucement, mon fils. Je suis là, mon fils. Je suis là. Hey, attends. Oui, ça va aller. Oui. Ça suffit. La vie de ton fils Obinna se trouve entre tes mains. Je viens de remarquer que c'était tes dernières réserves de médicaments que tu as utilisées sur lui. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici maintenant pour te dire que j'augmente maintenant l'argent à 20 000 Naira. Pour chaque Ekedimili que tu vas tuer, je vais te donner 20 000 Naira. Afin que tu aies assez d'argent pour acheter des médicaments pour ton fils. Afin qu'il guérisse vite. Mais c'est bon. Tu sais que c'est un grain de notre tradition de tuer Ekidimeri. Tu le sais bien. Tradition, mon œil. Madame, écoutez-moi. Vous vous entendez parler? Tradition. Tradition dont vous ne savez même pas quand ça a commencé. Hein? Quel est votre problème? C'est de la vie de votre fils dont nous parlons en ce moment. Hein? Et vous parlez de tradition. Madame, réveillez-vous et faites le nécessaire. Et sauvez la vie de votre fils. Ok, si vous avez peur de la communauté, une fois que vous tuerez ces 50 Eke et Dimili, ou même 100, je vous paierai. Ensuite, je reviendrai pour vous prendre vous ainsi que votre famille pour la cité. Regardez un peu où vous vivez. Regardez bien où vous vivez. C'est comme si vous habitiez avec le diable. Vous vivez dans une vraie pauvreté au fin fond du monde. Je vous emmènerai à la cité, là où vous allez savourer la vie. Dans sa plénitude. Je ne peux pas. S'il te plaît. C'est contre notre tradition, monsieur Paul. Madame. C'est contre notre tradition. Madame, écoutez. Madame, je ne comprends toujours pas. Ça dépasse mon imagination ainsi que mon entendement. Sur comment vous parlez de cette manière. Nous connaissons très bien des mamans qui sacrifient souvent leur vie pour leurs enfants. Mais dans ce cas précis, nous ne te demandons pas de sacrifier ta vie. Nous te demandons ceci. Prends la vie de Kaidi Mili pour celle de ton fils. Tu es Kaidi Mili pour que ton fils vive. Alors entre Kaidi Mili ainsi que ton fils, qui est-ce que tu vas choisir qui va vivre? Oh, vous voulez que votre fils meure? Ça va dans votre tête. Voyez un peu l'avantage que je suis en train de vous donner. Et à part ça, il y a une addition. Je vais vous payer pour chaque Kaidi Mili que vous allez tuer. Je vais payer 20 000 Naira. Ok, essayez juste d'imaginer que vous en tuez 50 ou même 100. Calculez et vous verrez ce que ça vous donne. Vous voyez combien ça vous fait? Hein? Bien, je vais revenir ici au prochain jour du marché. À mon retour, je serai ici avec l'argent. Si vous en tuez 50 ou 60 ou même 100, je vous paierai. Ok? On continuera comme ça. Hein? Je reviendrai, hein? Passez une bonne journée. D'argent pour te venir en aide.
Je te rappelle encore, tu dois aller voir Ezané. Sache que je ne cesserai d'insister. Comment sur ça. Comment ne pas dois-je te dire que je ne peux pas aller chez Ezané? Je ne peux pas désobéir à mon mari même s'il est déjà mort. La dernière fois que je te suis, je te l'avais déjà dit. Que mon mari m'avait interdit d'aller là-bas. Et maintenant, tu répètes encore la même chose. Je ne peux pas aller chez lui. Mais non, ton mari n'est pas là. Ton mari n'est plus. Ton mari est mort et parti pour de bon. Hein? Vous souffrez que ton fils meurt? Sans effet. Que le Dieu épargne. Ok, bien, qu'est-ce que tu penses faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, d'accord, tout ira bien. Je crois que ça marchera. Arrête de pleurer. Calme-toi, espérons au Dieu. Ils vont nous aider, mon ça ira. Mon fils. Je ne veux pas que ton mari n'est plus. Si quelque chose de mal t'arrivait, qui prendra soin de tes enfants? Ok. S'il te plaît, plus tu pleures, plus tu tomberas malade. Mon fils. Okay. C'est bon, arrête. Tes larmes ne sauvera pas le problème. Essaie de te calmer. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai une chose à te demander. Ok. Tu sais que tu es mon ami. Je peux te faire confiance? Ah. Là, c'est quelle question que tu me poses? Oh, ne suis-je plus ton ami? Qu'est-ce qui va arriver à la personne qui va tuer et qui est démirée? Hé! Hey! Allô? Hein? Abomination! Ne le sais-tu pas? Attends. Tu as tué Idemiri? Hmm? Non, moi? Que le Dieu m'en épargne. Non. C'était juste une question. Non, c'était un tabou. Ne sais-tu pas que c'est une abomination? Oui. Et dis-moi, pourquoi tu m'as demandé? Pourquoi? Juste que j'avais fait un rêve à propos. Ah non, ce n'est pas un bon rêve. Tu dois prier pour ça. Hé, hey, bamba, ce n'est pas un bon rêve. Peu importe, il n'y a pas de problème. Je vais prier à propos. Je dois déjà partir. Il va bientôt faire noir. Arrête de pleurer. Sois forte. Mon rêve, oh mon Dieu. Mon fils, pour moi. Pourquoi moi seulement? Mon fils. Pourquoi mon fils seulement moi? Pourquoi je souffre ainsi? Oh mon Dieu, pourquoi? Oh mon Dieu, oh Jésus. Non, c'est tout bon. Je souffre. Pourquoi pleures-tu, la femme de Pweke? Qui es-tu? Bonjour, maman. Je suis venue voir Robina. Il était sorti. Essuie tes larmes, la fille d'Idochi. Très bientôt, tous tes problèmes seront résolus. Mais rappelle-toi de toujours observer les lois de cette terre. Et n'est jamais allé à l'encontre des traditions et des règles de cette terre. Je ne te comprends pas, jeune fille. Maman Obina, ne précipite pas les choses. Faut toujours prier Uchi et permettre à ce que sa volonté s'accomplisse. Où est-ce que je peux trouver Obina? Il est allé voir Zuna, le fils de Dinta. Ok, maman. En partant, je suis sûre qu'on se verra. Que la paix des dieux soit avec toi et toute ta famille. Ici.
pourquoi tu ne m'as pas parlé de la maladie? Je pensais que tu le savais déjà. Cette maladie, j'ai commencé à en souffrir depuis que je suis né. Mon père était là pour moi avant qu'il ne mourût. Et ma mère, elle a vendu toutes les terres que nous avions juste pour trouver de l'argent pour mon traitement et des médicaments. T'inquiète pas. Il est de notre devoir de mourir pour vous protéger tous. Prochainement, je vais t'apporter quelque chose qui va t'aider à te rétablir. Je ne comprends pas. Tu veux dire quoi? C'est votre devoir de nous protéger, de nous quitter. Ah, j'étais juste en train de blaguer. Je veux dire, il est de mon devoir d'être toujours là pour toi en tant qu'ami. T'inquiète pas, la prochaine fois qu'on se verra, je vais t'apporter les médicaments qui vont t'aider à te rétablir. Merci. Comment va maman? Maman va bien. Elle va bien. Oh, ça me revient. T'es-tu déjà rencontré avec Yochi ou soit l'as-tu déjà déçu? La seule personne qui peut vraiment m'aider avec ça, c'est Ezane. Oui, et ma mère ne permet pas que j'aille le voir. Plus jamais. Parce que mon père n'était pas en bon temps avec lui avant qu'il ne mourût, tu vois. Donc... Des fois, des petites choses que vous négligez sont très capitales dans le monde des esprits. Rien n'arrive aux humains sans que Yochi ne le sache. Tu dois faire la paix avec Yochi pour qu'il puisse protéger et prendre soin de tout ce que tu fais. S'il te plaît, essaie de convaincre ta mère. Ok. J'ai tant doute. Quand je rentre aujourd'hui à la maison, je dirai tout à ma mère. D'accord. Je vais dire... Bon, il faut déjà rentrer maintenant. Sûrement ma mère me cherche déjà. Oui, d'accord. Bonjour, maman. Ah, bonjour. T'es de retour? Oui, maman, je suis rentrée. Il y a une jeune fille qui était venue te chercher. Ah. Comment elle s'appelle? Je ne lui ai pas demandé son nom. Elle est un peu noire, mais elle avait l'air très étrange. Et elle parle en parabole. C'est elle. C'est celle-là? Qui? De quoi est-ce que tu veux parler? C'est mon ami, la jeune fille, la fille, je sais pas, je l'ai vue la première fois au ruisseau. Et je viens d'être avec elle. Au fait, c'est elle qui m'accompagne ici à la maison maintenant là. Je suis surpris qu'elle soit venue ici, elle m'a pas dit qu'elle venait me chercher ici à la maison. Elle avait l'air étrange. Alors dis-moi, c'est quoi son nom? Hey, qu'est-ce que j'ai fait encore là-haut? Qu'est-ce qu'il y a? Maman... Je comprends pas. À chaque fois que je la vois, j'ai toujours oublié de demander son nom. Ah ah! Aïe, maman. Et elle est ton amie. Mais est-ce qu'elle t'a dit son nom? Tu lui as demandé? J'avais aussi oublié. Ça veut dire quoi? Hey! Mais ne t'inquiète pas, maman. Quand je vais encore la voir, je ferai tout pour lui demander. Je vais lui demander. Hey! Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Ne t'inquiète pas, maman, ce n'était rien de grave. Doucement. Merci, maman. Tu sais, il n'y a plus d'argent pour acheter le médicament.
Je n'ai plus d'argent, voilà pourquoi je vais sortir pour aller chez mon ami. Hein? Il n'y a même pas un à la maison. Tout est vraiment fini. Alors c'est comme ça, pas de problème. Mais il y a une autre chose. Cette fille m'a dit une autre chose. Qu'est-ce que c'est? Elle a dit que je dois faire la paix avec mon chi. Et je dois le nourrir. Faire la paix avec ton chi et le nourrir? Oui, pour qu'il puisse m'aider. S'il te plaît, stoppe mon fils. Écoute, oublie tout ça. Elle était vraiment différente des autres filles de ce village. Franchement, la façon dont elle parlait avec autorité, tu devais la voir quand elle était ici. S'il te plaît, ce qui est important pour moi, c'est d'aller chercher l'argent pour t'acheter les médicaments. C'est vraiment ça. Alors laisse-moi partir maintenant, s'il te plaît, mon fils. Je dois sortir, chercher l'argent et t'acheter les médicaments. C'est ce que je veux maintenant. Alors attends-moi. Oui, maman. Sois patient, oui, mon maman. Fils. Reste ici, ok? Compris, hein? Attends-moi. Merci, merci, maman. D'accord. Au revoir, d'accord. Mon fils. Regardez-vous. C'est vraiment une honte. Deux jeunes filles de ce royaume. C'est bagarre pour un homme. Papa, elle a insulté mon frère à cause de sa maladie. Hé, papa, c'est les mensonges. C'est les mensonges. C'est assez. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous êtes déjà, vous toutes, des grandes filles. Aussi prêtes pour le mariage. Et vous voilà en train de vous bagarrer pour un homme. Qu'est-ce que vous enseignerez à vos petites sœurs? Très bientôt, les hommes viendront frapper à vos portes pour vous demander au mariage. Mais vous voilà en train de vous bagarrer pour un seul homme. Ne les faites plus jamais. Ce n'est pas une bonne habitude de se bagarrer, peu importe la raison. Alors dites-moi, si donc vous vous bagarrez à ces âges, qu'allez-vous enseigner à vos petites? Alors, vous allez vous excuser l'une après l'autre. Désolée, Chiamaka. Chiamaka, elle est en train de te parler. J'ai écouté et je suis désolée. Chiamaka, laisse que la paix règne. Chiamaka, la fille de Mweke, laisse que la paix règne. Sois sage. Vous pouvez partir. Partez. Merci, Naï. Merci, Naï. Merci. Ifoma, reviens. Papa. Quand tu arrives à la maison, demande à ta mère de me voir. J'ai fait un très mauvais rêve sur elle. C'était un vrai cauchemar. Hmm? Elle ne doit pas avoir peur. D'accord. Merci, Naï. Ok. Tu vois toujours Obina? Non. Je vais juste l'aider à guérir de sa maladie. Tu as promis de ne plus tomber amoureuse de lui. Je me rappelle. Voilà pourquoi je suis venue te voir cet après-midi. Je veux que tu puisses l'aider. Je ferai tout pour ma très chère sœur. Tu sais bien que c'est toi qui as les dons de la guérison. Notre grand-mère t'avait appris comment utiliser le feuille pour guérir toutes sortes de maladies. S'il te plaît, ce que je te demande est que tu puisses m'aider. Comme ça, je vais donner à Obina pour qu'elle guérisse de sa maladie. Rappelle-toi que c'est aussi de notre devoir d'aider les humains de ces villages. Ok, je le ferai. Je prendrai les feuilles demain quand on reviendra de l'eau. Merci beaucoup. Je vais aller voir maman.
Personne ne veut m'aider. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je ne veux pas perdre mon unique fils. Monsieur Paul va venir demain. Je le ferai. Et personne ne le saura. Oui. Je ne veux pas perdre mon unique fils, non. Je ne peux pas. Hey.
les esprits de la terre et des eaux ont apporté trouble et misère. Non. Non. Ça, c'est vraiment anormal. Quelque chose ne va pas bien. Quelque chose ne va pas bien. Quelque chose me dit qu'il y a un trouble. Ifomao. Oh, maman, bienvenue. Mm-hmm. Merci. S'il te plaît, laisse tout ce que tu es en train de faire. Entre là-bas. Habille-toi, tu dois aller chercher les médicaments pour ton frère. Dépêche-toi, vas-y vite. Maman, ça ne peut pas attendre demain. Tu sais qu'Onitsha est très loin d'ici. Et si la maladie lui dérange cette nuit? Et il n'y a même pas un à la maison. Même pas un ici. Hein? Veux-tu que ton frère meure? Ah, ah non, maman, pas ça. Dépêche-toi, non? Vas-y vite, va te changer. Ouais, viens prendre l'argent. Ah, maman, où est-ce que tu as eu cet argent? C'est quel genre de question stupide comme ça? Suis-je ton ami? Dis-moi. Hein? Ne suis-je pas ta mère? Ah, dégage, quitte, va vite te changer. Oh! Allez, entre vite, va te changer vite. Dépêche-toi. Vite, vite, va te changer. C'est quoi que cet homme transporte comme ça? Comment saurais-je? Hein? Cet homme paraît suspect. La façon dont il nous regarde, il cache quelque chose. Allez, poursuivons cet homme. Reviens ici. Laisse-lui partir. Allons-y. Reviens. Allons-en. Si vous le dites alors. Laissons-le. Choma, je vais te frapper aujourd'hui. Tu m'as giflé, tu pensais que j'étais laissé. Je t'ai cassé les os. Dis-lui, j'ai la frappé. Dis-lui, non. Ah. Chiamaka, Ifoni, c'est quoi tout ce que vous faites? Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Qui t'a autorisé de frapper ma petite amie? Elle va voir. Tu as frappé ma petite amie? Hein? Tu es malade? Tu es malade, toi? Excusez-moi. Tu es malade? Et d'ailleurs, donne-moi ça. Non. N'importe quoi. Essaye ça encore prochainement. Je vais te frapper. Allons-en. Prochainement, je vais te frapper. Prochainement, si tu la touches encore, tu me verras. Si tu la touches encore prochainement, tu sauras la suite. Tu feras mieux de ne pas nous suivre. Tu feras mieux de ne pas nous suivre. Ah!
Tu sais, ce qui m'a énervé le plus, c'est quand je suis revenu, ma mère avait pris tous les poissons. Elle n'a même pas pu m'en laisser, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et tu sais que j'aime trop les poissons, moi. Ça, c'est... Je ne sais pas avec les poissons. Mon ami, c'est ça. Bien. Hey. Une chose, je l'ai toujours dit à ma mère. Mais elle ne me comprend pas. J'aime le poisson. Tout le temps. J'aime les poissons. C'est pourquoi je suis devenu un pêcheur. Je ne peux me permettre d'aller acheter des poissons n'importe... Attends un peu. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu en es sûr? Allons-y, on doit vraiment attraper des poissons aujourd'hui. C'est le moment d'y aller. Si on veut manger des poissons, c'est maintenant qu'il faut y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à me faire peur là. Obina! Obina! Vas-y doucement, mon Dieu! Obina, vas-y doucement. Qu'est-ce que tu as, non hein? Reste avec toi, mon Dieu. Allez, Obina, arrête de me faire peur là. Hey! Obi, écoute-moi. Hey! Que quelqu'un m'aide, oh! Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux faire là, hein? Que quelqu'un m'aide, oh! Que quelqu'un vienne m'aider, c'est mon ami! Aidez-moi! Obi, reste avec moi! Que quelqu'un m'aide! Que quelqu'un m'aide, oh! Que quelqu'un vienne m'aider, c'est mon ami! Obi, reste avec moi! Obi, reste avec moi, s'il te plaît. On partait juste faire la pêche, oh. Obi, je t'en prie. Obi, arrête. Allons vite lui donner les médicaments. Allons-y vite. Il doit prendre ses médicaments. Obi, s'il vous plaît, oh. Aidez-moi, non. Obi, là. Arrivé. Il y a quoi? Papa, Obina et Ifoma sont mortes. Les enfants de maman Obina? Oui, non. Je l'avais dit.
que cette femme est une sorcière et elle a réussi à bouffer ses propres enfants. Ah, oui. Quoi? Hein? Toi, tu me dis ça? Hein, toi? C'est quoi ça? Qui t'a dit toutes ces bêtises? C'est quelle bêtise tu dis là? Hein? Regardez, cet idiot, c'est à ton père que tu parles. Hein? Ah, papa. Regardez-moi papa. Cet idiot. Idiot. Papa, c'est vrai. Hein? Quoi, c'est vrai? Hein? Papa. Va là-bas. Hein? C'est quoi ça? Vous voulez jouer avec moi? Hein? Hein? Allez là-bas. Entrez dans la maison. Les enfants, ils vont voir. Sorry. Pourquoi m'as-tu volé mon bonheur? Pourquoi as-tu tué mon unique sœur et causé la mort de ton fils Obina? Le seul mortel que j'ai pu aimer pour mes 222 ans d'existence. S'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Je l'avais fait pour sauver la vie de mon unique fils. Et pitié, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en prie. Te rappelles-tu de ce que je t'avais dit les jours que je t'ai venu chez toi? Je t'avais demandé d'essuyer tes larmes, fille de Dochi. Que tous tes problèmes seront résolus très bientôt. Que tu devais respecter les lois de la terre et ne jamais aller à l'encontre des règles et traditions de votre terre. Mais tu es allé à l'encontre des traditions de votre terre et tu as tué Eke Demiri, mon unique sœur. Pardonne-moi. S'il te plaît, pitié. Pitié, je demande ton pardon, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pitié, je t'en prie. Je t'en supplie. S'il te plaît. Cette rivière de larmes va continuer à couler de tes yeux jusqu'au jour de ta mort. J'ai rentré les restants de tes jours sur terre. Misérable, tu mourras dans la souffrance et la terre va rejeter ton cadavre. Ton esprit va errer partout sans repos et tu ne pourras jamais te réincarner. Tu mourras d'une façon horrible. Oh, le Dieu de notre terre, je voulais juste sauver mon fils. Mon fils, mon fils. Je suis désolée. Je suis très désolée, les dieux de notre terre. Je voulais juste sauver mon unique fils. Mon unique fils, je voulais le sauver.
essayait tout simplement de l'aider. Mais sa vie lui a été ôtée d'une façon horrible. Je vais me rassurer d'en anéantir toute trace de vie à Idochi. Je dois venger la mort de ma sœur. Maman Obina doit payer pour tous ses péchés. Qui es-tu? Grande prêtresse du royaume Idemiri, à quoi ressemble l'importance de cette visite? Vous avez fait un long voyage du royaume d'Idemiri à ce village. Alors, quel est ce message que tu as apporté à la grande reine mère des eaux? Une abomination a été commise. L'une des filles de la reine mère de Zo a été tuée par une fille de Edoji. Les douleurs, le chagrin, la calamité arrivent. La mort va visiter le peuple de Edoji jusqu'à ce qu'elle soit enterrée. Et sa mort servira pour la purification de la terre. Je demande la paix. Grande prêtresse, je demande la paix. Je sollicite la paix. Je demande la paix, s'il te plaît, grande prêtresse. Il n'y aura pas de paix jusqu'à ce que la cérémonie de purification soit faite. Si son enterrement et la purification n'est pas fait avant le jour du marché, le python secret des eaux va ôter toute la vie du peuple de Edoji. Grande prêtresse, s'il te plaît, intercède pour nous. Si tu ne le fais pas, notre peuple va mourir. S'il te plaît, s'il te plaît. Mais alors, qui a donc tué cette jeune fille? Qui? Maman Obina.
Tiens-moi ça. Où est la maman? Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Hein? Venez. Qu'est-ce que je vous ai fait? Venez ici rapidement. Venez rapidement. Vous savez ce que vous avez fait. Vous le savez très bien. Vous le savez. Tous les villages sont en difficulté à cause de vous. Ne nous fais pas perdre notre temps. Allons-y. Allons-y rapidement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Allons-y seulement.
Non, où est-ce qu'ils vont? Ils partent à la forêt maléfique. C'est aujourd'hui qu'ils vont enterrer le python secret. Hé, hey, tu veux dire qu'ils vont enterrer le python secret aujourd'hui? Oui. Hé, hey. C'est ça, mon Dieu, mais soeur. Pourquoi cette femme a tué ces pitons secrets? Hein? Oublie ça, s'il te plaît, partons. Hey, non, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Je ne saurais pas aller avec vous. Hein? Là, tu veux aller. Dire que tu ne viendras tu veux, pas? Tu peux aller. Ok, c'est tu bon. Moi, je m'en vais. À la maison, d'accord? Au revoir. Hey. Ah. Grande reine mère des eaux. Maman Obina, que voici, a fait le nettoyage et l'enterrement conforme à notre tradition. Grande reine mère des santé et des paix, s'il te plaît, pardonne-la. 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 Grande mère des eaux, pardonne-moi, pardonne-moi, parce que j'ai péché contre vous, j'ai péché contre ces terres. S'il vous plaît, mère, pardonnez-moi. Votre fille m'avait visité dans le rêve. Mère, mère, ayez pitié de moi. Mère, s'il vous plaît. Mère, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai péché contre vous. La fille des 10 000, s'il te plaît, pardonne-moi d'avoir fait ça à ta sœur. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi parce que je suis comme une fille devant vous. S'il vous plaît, pitié. Pardonnez-moi, je vous demande pardon de tout mon cœur. Pitié, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en prie. Ayez pitié, mère, ayez pitié. Pitié, mère, s'il vous plaît, pitié. Ah, mère, s'il vous plaît, pitié. Pitié de moi, je vous en prie. Reine mère de pitié, ta pitié est plus importante que tout. S'il te plaît, pardonne-la. Alana Zoua, Aruisi Ani Yogi, Naiga Tata, Bayon.
Ayomi. Hey, pitié d'elle. Pardonne-la. Tu peux imaginer ce que j'ai vu. J'ai vu maman Obina, mon amie, en train d'être escortée pour la forêt interdite. Tu sais les dangers que court la personne qui tue les pitons secrets. C'est toi qui avais tué les pitons secrets. Aime-moi, Aya. Hé, non. Ego, comment allez-vous? Ndo. 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 Rentre d'où tu appartiens. Ngo, pourquoi est-ce que tu me fuis? Hein? Mais viens m'aider, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Ngo! 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 Ndo! Hey! Ndo! Mon mari est mort. Mes deux enfants aussi sont morts. Tout le monde me rejette dans ce village. Pourquoi est-ce que je vis? Pour qui est-ce que je vis? Je dois aussi mourir, non. Je ne peux plus être en vie. Prenez aussi ma vie. Je pleure jour et nuit. Obina, mon fils. Le Dieu de notre terre, ne m'entendez-vous pas? Le Dieu de notre terre, s'il vous plaît, prenez ma vie. Prenez ma vie, prenez-la. Je ne veux plus vivre. Ah.
Alors, voilà au moins la fin de mon histoire. Quelle fin tragique. Oui, vraiment ça. Donc, papa, maman Bine s'était vraiment donné la mort? Ma fille, dans tout ce grand village du Demiri, il est formellement interdit de tuer un habitant. Alors, tout le monde devra apprendre de cette histoire. Afin de respecter et conserver sa tradition, qui est pratiquée dans son village et dans n'importe quelle partie du monde. Ok, papa. Mais, papa, quel a été le sort d'Ondobezi, ce méchant ancien? Bonne question. Mais je vais t'en dire plus un autre jour, ma fille. S'il te plaît, papa. Ah, mais si j'essaye de te dire là maintenant, tu vas rester dans les nuages.